crois que je sais pas si je suis bloqué ou pas. Bramble, the Mountain King. Je vais où moi du coup? Dans le trou? Mais non, j'en sors. Mais dans l'eau? Ah ouais, je vais dans l'eau. J'ai tellement peur, l'eau est toute noire en fait. Genre, t'as pas envie d'aller dedans. Ah, ça remarche. J'ai rechargé ma lumière apparemment. Oh! Mais il va où le petit gars là? À quel moment en fait il sait où il va? Ramé. Il y a un mec en fait, il s'assoit sur son violon, je crois. Ça me rassure pas. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Wow! Faut que j'attaque? Mais j'attaque quoi? Yeah! Ah! Là-bas! Ça c'est moi ça! Ah, y'a des rats! Faut éviter les rats. Laisse-moi partir! Madame, je veux pas avoir la peste! Oh mon Dieu, il y en a plein! Il y en a un qui va souffler! Elle m'a éternu dessus! Elle m'a éternu dessus en fait! C'est bon, j'ai réussi. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait un œil plus fermé que l'autre. Donc du coup, j'ai visé l'œil qui était grand ouvert. Après, ça se trouve, elle voulait juste aller dans le bateau gratuitement. Hein. C'est super flippant, en fait. Le fait qu'elle me regarde comme ça, là. Les yeux! Oh mon Dieu, ça me fait tellement penser à la fin de Little Nightmare 2. Avec la chaise et l'homme au chapeau. Oh boy. Ça recommence. Je crois que je sais pas si je suis bloqué ou pas. Ah ! Ah ! What ? Moi, j'ai réussi à me pas faire manger. C'est bon, tout va bien. C'est plus des rats, là. C'est des cochons à la taille que c'est, là. Laisse-moi tranquille. Dans tes yeux! Ah.
C'est bon. J'ai cru que j'étais mort, les gens. J'ai cru que j'étais mort. Putain, j'ai pas réussi à viser. En rame. Et on y croit, les amis. On y croit. Oh mon Dieu, il se réveille. C'est flippant. Je sais pas si je fais bien les choses. J'aime pas comment il ouvre les yeux pour me regarder. Laisse-moi tranquille. J'essaye juste d'arriver de l'autre côté. L'écran brouille. Ok, mais fais l'inverse maintenant. Je suis pas assez rapide maintenant, je suis trop lent. Elle essaie de me manger là. À tes souhaits. Dans ton œil. Ok, nickel. Elle tourne la tête en fait pour pas avoir l'œil gauche. L'œil droit, excusez-moi. J'essaie de sauter dans son œil en fait. Peut-être que ça peut marcher hein, si je lui marche dans l'œil. À tes souhaits. Allez, on y croit, les amis. En fait, là, la blague, c'est que pour moi, l'écran commence vraiment à être brouillé, tu vois. Du coup, je vois un peu moins bien. Flûte ! J'essaie de sauter sous son œil. Ça n'a pas marché. Pesta. Et elle était même pas sur mon bateau. Ouais, je joue à la manette, ouais. Elle était même pas. Incroyable. He had reached the mountain. He could finally find his sister. Ah! Caro m'a donné le drapeau de la Finlande, de la Suède. Suède. Drapeau de la Suède. Parce que c'est un jeu suédois. La Finlande. Ah, je suis désolé. Hein. Ça arrive. Faut juste pas qu'ils entendent ce que j'ai dit. Bah, le truc, c'est que... Moi, pour moi, ça aurait été un bon endroit pour m'arrêter. Pour pouvoir faire le prochain épisode. Mais comme elle a dit, c'est le moment où on va retrouver sa sœur. Je... Et vu qu'on est à l'endroit du rêve,
J'ai envie de continuer un petit peu juste pour voir où ça me mène en fait. Est-ce que c'était le boss final, la peste, tu vois? Je ne sais pas. C'est du sang ou c'est de l'eau? C'est du sang. C'est super glauque. Maintenant, je laisse des petites empreintes de sang. La map entière est toute grise, mais moi, je suis rouge. Du sang dans de l'eau, ouais, ça peut être ça aussi. Je crois qu'il y a des ronces là-haut. Il y a des brambles. As he reached the summit, Ola felt regret. Dangereux? Regret that he could not stop his sister from being taken. Ok. Regret that he could not stop the woman from drowning her child. Oh merde! Mais non, c'est Ross! Oh bordel, c'est Ross! Il y a plus de narration. J'ai cassé le jeu. Bramble. And he wished he could ask their forgiveness. Whoa! La fleur qu'on voit depuis le début, c'est la fleur de la racine. He had reached the end that Tuva had pointed him towards. Now, entering the halls of the mountain, Ulle was ready to find his sister. Qu'est-ce que je suis censé voir? Ah là. Oh! Un passage secret. Oh! Je suis à nouveau avec le truc des livres. C'est un labyrinthe? Je suis avec nous avec mon pote. Salut! Je vais lire le livre du coup. Bookworm. Exhausted. J'ai eu tous les livres en fait. Bloody. And at his wit's end, King Nils came to a witch's house on the outskirts of his kingdom. He fell to his knees, begging the witch to help cure his son, and she agreed. The witch explained that the flower held tremendous power that could only very carefully be used for good. The witch instructed he only use a single petal. Using the whole bloom would only invite death. Ulrich began to recover, but discontent at the royal line had grown in the kingdom following King Nils' bloody campaign. The next day, mais non! King Nils found his son dead, and the last light holding his darkness at bay was snuffed out. Donc il avait réussi à guérir le fils, mais il s'est fait assassiner. Heartbroken, King Nils turned to the bloom which had promised life, and instead saw it as an escape from his suffering.
The witch, having come to visit the king and the prince, looked at the nightmarish scene in despair. She raised a mountain on top of King Nils and shackled him using the same bramble that he let loose upon the kingdom. And to this day, the trolls still feed him as punishment for his evil deed. Oh non, ça veut dire qu'ils veulent donner de ma sœur en à manger au roi en fait. Lichtgubben. S'il est vivant en plein milieu du truc, c'est que il en fait les trolls nourrissent le roi avec des gamines qui trouvent par là quoi. Il y a plein de tableaux ici. Le tableau du roi et de son fils. Voilà. Le roi et sa femme. Une horloge qui n'a plus de... Il n'y a plus rien. Un petit calice. Attends, il y a quelque chose dedans? Non, il n'y a rien. Je sais jamais. Tu sais, quand tu peux tourner les objets comme ça... Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette bibliothèque? Nous avons une épée. Sur laquelle il y a un X. Donc ça veut dire 10. Ok. Nous avons des petites boules. Nous avons un cheval. Ok. C'est la chambre d'un enfant ici. Hein. Il y a les petits pommes de pin. Et attends, il y a tout, regardez. Il y a le roi, il y a les petits pommes de pin, etc. Il y a un petit bateau là. Ça c'est quoi? Un couteau caché. D'accord. Il y a des trucs cachés comme ça. Et on a le roi. Oui! King Nils figurine. Ah merde, mais vous voyez pas en fait. Oh, je suis trop triste. Vous voyez pas en fait le succès. Le succès pour moi, il apparaît en plein milieu, mais pour vous, il apparaît pas. Card d'avait toujours un problème avec ce succès là. On peut s'asseoir sur la chaise. On peut enfin se reposer dans ce jeu. Depuis le début du jeu, en fait, on prend cher, donc il était temps qu'on puisse se reposer. C'est rigolo de pouvoir prendre tous les éléments du décor. Ici, c'est écrit 2. Vous pensez que ça a un sens? Ici, j'ai 2. Là-bas, j'avais 10 sur l'épée. Donc, ça ferait éventuellement soit 12, soit 22. Oh, attendez, est-ce qu'il y a un chiffre aussi là-dessus? Oui, regardez, 6. 2, 6, 10. Oh, no. 2, 6, 10. Peut-être que c'est une heure, en fait, que j'ai pu revoir. Sur chaque tableau, est-ce qu'il y a une heure? L'épée... Ah, attendez. C'est peut-être l'ordre. La coupe. La coupe en premier. 6. Le truc. 10. Non. 2. 6. 2. 6, 2, 10. 6, 2, 10. 6, 2, 10. 6, 2, 10. 6. Mais... Est-ce que c'est à l'envers? De toute façon, je peux rien faire, donc... On va voir dans cette porte. Oh, la porte est fermée, d'accord. Donc, je peux revenir en arrière? Oh oui, je peux. C'est une sorte de placard. Je peux me changer! Attends, je suis le prince? Et attends, j'ai foutu du sang sur la chaise? Ah, il se passe plein de choses dans ma tête. Hein. Et j'ai trouvé une aiguille. Donc depuis le début, il fallait juste mettre les vêtements, ok. Alors, bah écoutez, on va tenter de mettre l'aiguille là-dessus.
tourner. Alors, on va faire 6. Ensuite, on va faire 2. 2, 2, 2, 2. Et on va faire 10. Oh my god, ça a marché! Yes! J'ai trouvé une énigme tout seul! Comme un grand! Petite larme qui coule des yeux. Alors, il y a une... Ah, c'est le miroir qui s'est ouvert! Et dessus, il y a une clé. La clé royale. Bon, le fait qu'on soit habillé comme le petit prince, est-ce que ça veut dire qu'on est le prince? Mais non, il est mort d'une maladie, ça peut pas. Ah, la musique a changé. On va voir la musique de Casse-Noisette comme dans le trailer, peut-être. Parce que savoir qu'il y a la musique de Casse-Noisette dans le trailer, et ça, c'était incroyable. Donc, vous pouvez voir qu'il y a les brambles un peu partout, donc les ronces. Hein. Il y a quelque chose à gauche, là. Non, il n'y a rien, en fait. En fait, c'est une sorte de salle de trône. Oh my god. Ok, y a, vu le bruit qu'il y a, il se réveille pas, c'est normal. Alors. C'est une sorte de forge. Attendez, je vais descendre avant. Ok. On va dire que je ne peux pas descendre. Ok, c'est comme... c'est comme le niveau avec... flûte, j'ai pas réussi à me mettre sur le côté. C'est comme le niveau avec le violoniste. J'ai du mal à dire ça à chaque fois. Le Comment on dit? Comment ça se dit? Je suis nul. Violoniste. Mais ça t'aide pas. Si, ça m'aide. Let's go! Oh boy! Oh boy! Oh! Oh! Oh my god! Non! Mais pourquoi? Séros! Réveille-toi! Oh non, je dois recommencer ici! Violoniste! Je sais pas pourquoi je veux dire violoniste, violoniste à chaque fois. C'est violoniste. Ah, attends, la sauvegarde m'a mis en fait juste après, j'ai pas tilté. Allez, c'est parti. J'ai le temps. Ouais, j'ai le temps, c'est bon. C'est bon, on y est. Oh, la salle, le salle du trône est derrière le... la porte gigantesque. Je suis genre minuscule. C'est moi frappé à la grande porte. The gate that was meant to be closed forever now opened. C'est impressionnant. Est-ce qu'on va voir le roi de la montagne?
On est tellement petits. C'est lui ça, il bouge. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va manger ma petite sœur, ma grande sœur? The Mountain King who was meant to be hidden forever was now revealed. Il est devant nous, ouais. He just had to reach the sack before Lilimur ended up as the giant's dinner. Oh putain, je suis arrivé. Non, par contre, ne me dites pas qu'il va manger devant moi parce que toute cette aventure, il a attendu ce moment précis pour la bouffer. Attends, je fais comment pour monter? Ah, je peux pas grimper là-dessus? Je fais le tour? Je peux pas grimper sur la petite marche en fait. Je sais pas ce que je dois faire. Oh, je peux grimper sur l'épée. Oh, c'est bon. Je vous ai dit, hein, c'est Ross, il est teuteux, les gars. Alerte teuteux. C'est comme dans South Park. Bon, faut que je fasse gaffe au pic, je suppose. Aux ronces. Parce que si, là, franchement, vu la taille des épines, je m'empale dessus. Ça peut ne pas être très agréable. Allez, on y va. C'est bon, j'ai réussi. Un petit moyen pour dire violoniste plus facilement, tu dis le mec qui joue du violon. Non mais... Je l'avais déjà fait hier ça, mais je voulais savoir comment dire le vrai mot, tu vois. Parce que je dois savoir dire ce mot, c'est pas possible. Un violoniste, je sais pas pourquoi j'y arrive pas, c'est incroyable. Je suis devant le sac. Ouvre le sac vite, qu'est-ce que tu fais? Non. Mais non, il a pris le sac. Non. Mais vous êtes sérieux? La musique par contre est géniale. Let's go!
Oh my god, il fait des feintes. Maintenant, recrache ma sœur. C'est pas un peu overkill? Je fais 3 cm, les gars. Je crois que j'ai été coupé en deux. Et je fais quoi pour ça? Allez, encore un! Et down! Let's go! The bramble weakened. The mountain king saw clearly for the first time in centuries. And what he saw reminded him of his beloved son. Oui, parce que j'avais la même tenue. He would not lose him again. This time, King Nils would overcome the darkness. La fleur ressemble à un truc qui peut voler, les gars. Les pétales sont gorgés de sang. The source of the curse blossomed. King Nils tore the bramble rooted in his back and brought it all to an end. The only way to get to Lilimur was now up and in. Donc il faut que je monte d'épée et que je plonge sa bouche. Je trouve que c'est super stylé en vrai comme séquence. Incroyable. The Mountain King. Pokéball, go! Oh my god, je me suis fait écraser!
Ah, je suis tombé à côté. Oh non, il est mort en fait. La pierre peut revenir en fait. Tuva had one last gift to give to Ole. Ah oui, merde. The Mountain King dead. His prison started to crumble. Lemus! Lemus would always look after his friend. Lemus, c'est le GOAT! MVP! Et tout ceci n'était qu'un rêve de Ole. A nightmare woke her up. Frightened by her memories. She searched for her brother's comfort. But he was nowhere to be found. Wait. Mais non! Oh non, et maintenant on recommence tout le jeu avec la sœur. J'ai eu toutes les figurines ou c'est... Il me manque encore quelques-unes. Petit frère est où? À la maison encore une fois. C'est le succès que j'ai dévoré. However, the darkness outside did not scare her. Tu con, va. Because she knew she had her brother. Ouais. Yeah. La musique est cool, hein. Wow. Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu, les amis? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires après avoir regardé cet ultime épisode sur Bramble, The Mountain King. Franchement, le jeu était plutôt cool. C'était donc notre aventure sur Bramble, The Mountain King. Si l'aventure vous a plu, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires en laissant un pouce bleu et plus magnifique pouce bleu. Et rendez-vous sur YouTube ou sur twitch.tv/Seros pour suivre les aventures en ma compagnie. Je vous fais des gros bisous. Seros, out.